Et comme aucun pays dans le monde ne produit autant de serial killers que les États-Unis, il fallait bien un jour qu'ils s'y intéressent. Bonjour, R.J. Elroy. Merci. Comment vous trouvez Nice malgré ce temps un peu vieux? Comme en Angleterre. Angleterre, voilà, nous sommes encore en Angleterre grâce au temps aujourd'hui. Alors, dans ce nouveau thriller, R.J. Elroy, on s'intéresse à un certain John Costello qui, à 16 ans, on est pendant l'été 1985, alors qu'il discute tranquillement avec sa petite amie dans un parc de Jersey City, eh bien, surgit un type qu'il ne connaît pas et qui lui défonce une partie du crâne de marteau. Alors, il en réchappe, John, contrairement à sa fiancée, il est évidemment traumatisé par ce psychopathe qu'on surnomme le marteau de Dieu. American serial killers and English serial killers is American serial killers are presented in the media because of the young nature of the culture. En fait, la différence entre les serial killers britanniques et américains, c'est que les Américains sont présentés dans les médias puisque c'est une culture, c'est jeune. Et cette idée reste auprès de moi jusqu'à ce que j'écrive le livre. Ensuite, je ne suis plus hanté par le mot. So often, while researching and watching documentaries and reading books about these guys, I would wake up in the middle of the night thinking about one person in particular, and I would know that I would have to write about this person. Donc pendant la phase des recherches, souvent au milieu de la nuit, je me réveillais avec les images d'une personne en question en particulier.